Bravo. Et bien maintenant, on va entamer, continuer un périple vers l'Amérique du Sud et on va accueillir le chœur Seca qui va rentrer sur scène dans l'ordre et la dignité. Tour. À moi, ils sont en train de manger encore. Seca. C'était un groupe de chanteurs amateurs qui se voyaient une seule fois par mois. C'est pas beaucoup. Faut dire non, beaucoup. Oh. Mais ça fait quelques années qu'on chante ensemble et avec beaucoup de bonheur. Les parents et certains enfants aussi, qui est toujours un grand bonheur que les adultes et les enfants chantent ensemble. En plus, aujourd'hui, on aura le collège Jean Villard, on aura aussi l'école Jean-Baptiste Clément qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de partenariats adultes-enfants et on adore ça. Donc dès qu'ils vont commencer à arriver, on va vous expliquer. C'est, ils sont là, je les vois. Ils sont là. Argentine, parce que ce voyage parmi les Amériques se veut le plus large possible. Et un chant qui est un peu spécial, c'est un chant qui nous vient des Andes. Un chant où la personne qui chante dit qu'il crie sa douleur d'être seul, d'être un peu perdu dans les montagnes, mais aussi sa joie. Il y a un mélange de douleur et de joie. Et il dit qu'il prie, il ne sait pas trop si Dieu existe, mais il prie parce que il aimerait bien que ce soit vrai, mais il ne sait pas trop. C'est pas du tout un chant religieux. C'est un chant qui nous vient des Andes et qui s'appelle Doña Uberza. Et nous pouvons déjà applaudir, puisque vous les avez entendus déjà, M. Mathieu Lecosto au clavier. Et vous avez un petit groupe d'instrumentistes estampillés Seca qu'on peut applaudir aussi, les enfants. Je crois que tout le monde est là, on va pouvoir chanter Doña Uberza. Yeah.
Et nous continuons de l'Argentine, on remonte vers le Brésil, avec une chanson qui a été une des chansons du film Rio 2, du dessin animé. Je ne sais pas si vous avez vu Rio, avec le petit perroquet, le 2, c'est celui-là. Voici Você Chegou, vous chantez avec nous évidemment. Você Chegou, avec d'autres enfants, une autre équipe qu'on applaudit. Percussionniste en est là-bas. Yeah.
Merci à eux, bravo les enfants, bravo les enfants. Une grande artiste, une chanteuse, une bassiste, une musicienne hors pair qui nous vient de l'Équateur mais qui est depuis très longtemps en France. Elle est un petit peu de chez nous quand même. Elena Recalde. Elena. On a eu la chance que Elena vienne avec nous. Via, vous avez entendu, je pense, Alexandre qui l'a dit, Festival des Terres de Mix. Elena fait une résidence à Limours, ville dans laquelle est basée Singa. Et du coup, il y a eu ce pont entre les deux, entre Elena et Singa. Et on a eu la chance de travailler deux chants de son répertoire avec elle, que je laisse